Nous revoilà, et voilà, on a essayé de faire des vannes sur la technique, on a essayé de faire des vannes de leur dire, ben voilà, ça va tenir, Ah, faut pas etc. les chercher, hein. Faut pas chercher la technique, hein. La Ouais. technique a toujours raison. Sans Ouais. la technique, on ne peut rien faire. Je C'est le ça, dis depuis le exactement. début. Exactement. Depuis le début, je le dis. On est de retour, on est de retour. Bon, bah, ça va scinder la vidéo en deux. Ça va scinder la vidéo en deux. On va avoir une première partie qui sera bah, sur Lyon-Saint-Etienne et le début de Juve-Inter. On aura Et deux puis là, miniatures différentes comme ça. on pouvoir parler de Juventus-Inter. On va revenir sur là où on s'était arrêté avec avant les bugs de cette petite caméra. Wally, toi, tu disais que la Juve, Oui, tu l'as voilà. trouvée beaucoup plus satisfaisante Ouais. que moi. Moi, je disais que sur le chat, il y avait un C'est ressenti ça, c'est ça. un peu Et moi, compliqué sur cette Juventus. Là, tu trouvais ça mieux. je trouvais que la maîtrise, elle était vraiment du côté de la Juventus. Je trouve que les 15 premières minutes, clairement, celle qui met le plus en danger l'autre, c'est la Juventus avec cette barre transversale de Ronaldo qui peut faire le break. Tu concèdes ce penalty sur une erreur d'inattention et un peu de malchance de De Ligt. Oui, tu as des situations de l'Inter où à un moment donné, pendant 5-6 minutes, ça se rend coup pour coup comme dans un match de boxe. Parce qu'il y avait on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais par rapport au match de Lyon-Saint-Etienne, de Saint-Etienne-Lyon, il y avait une vraie intensité. C'était un vrai gros match de Serie A. Donc Surtout en c'est première ouais, mi-temps. exactement, donc c'est plutôt normal. Mais après comment dire, la blessure de Sensi au milieu de terrain, l'Inter a complètement été mangé. J'ai trouvé la ligne de récupération, notamment avec Pjanic et Matuidi, qui ont autant qu'Edira, j'ai pas trouvé extraordinaire avec Bernardeschi. Et c'est les deux qui sortent en premier en deuxième mi-temps. Mais j'ai trouvé voilà vraiment productif cette équipe de la Juventus. Et à aucun moment, même s'il y a eu deux trois situations où Lukaku a vendangé et le poteau notamment de Vecino, il me semble. T'as pas senti voilà, la Juve acculée, c'était vraiment elle qui avait la maîtrise du ballon. Donc clairement, un peu comme sur la première mi-temps contre le Napoli en début de saison, la Juve dans le contenu, il y a beaucoup de matchs les années précédentes où tu te disais, ok, oui, la Juve, à la fin, ça gagne de la même manière, c'est comme ça. Ce soir, je ne l'ai pas ressenti. Alors peut-être que j'ai pas vu le même match que les Socios, mais moi, je ne l'ai pas ressenti Toi, comme ça. tu as senti cette maîtrise-là. Alors, il y a aussi la perception que peut avoir l'adversaire de ce match-là. On sait que le derby d'Italie, c'est un derby qui est compliqué. On sait que Conte retrouvait la Juventus pour la première fois. Donc, il y a aussi ce Contexte paramètre-là. spécial. Mine de rien, bah, Sarri, c'était aussi sa première dans un grand derby avec la Juve. Les changements ont été payants. Les changements ont été payants, notamment avec la rentrée de Bentancur et On en parlait la avec rentrée Livigno tout à l'heure. d'Higuain. Toi, tu as senti cette maîtrise-là aussi de la part de la Juve, Alpha? Oui, je suis plutôt d'accord avec Walid. On a vu une Juve il l'a dit, hein, sur les 10-15 premières minutes où si tu as ce but de Ronaldo, c'est totalement pas volé de la part de la Juve. Tu peux avoir 2-0 et qui te fait un matelas. Qui te fait un matelas confortable dans ce genre de match-là. Après, tu as cette faute de De Ligt. Maintenant, je ne suis pas totalement d'accord sur le fait que la Juve, ils n'étaient pas acculés, mais on les sentait quand même sur la rupture. C'est-à-dire que sur chaque offensive de l'Inter, Sur si des tu avais, contres, ouais. voilà, si tu avais le bon choix de la part de Lukaku, si tu avais Oui. le bon choix de la part de Lautaro, et on avait un De Ligt avant la deuxième mi-temps, sur la fin de la première mi-temps, de la 20e, 25e, depuis son pénalty jusqu'à la mi-temps, où il était Il était souvent moins très en dedans. retard, il était souvent mal positionné, une seconde de retard sur son adversaire, il se faisait facilement embarquer. T'as l'erreur de Bonucci également sur avant cette parade de Chesney qui met ce ballon en Ouais, mais corner. je ne l'ai pas Donc voilà, trouvé passif et attentif comme d'habitude, comme ouais, les mais années pas, précédentes, non, mais pas en attentif. essayant de gérer sans ballon, etc. Oui, pas Je les attentif. sentais haut quand même, tu sentais Parce haut, que tu tout sens. simplement, c'est pas le même entraîneur que tu as sur le banc. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec Allegri, tu aurais eu un bloc totalement bas lorsque l'Inter commençait à se réveiller. Alors qu'avec Sarri, tu as forcément des joueurs qui vont essayer de jouer devant. Comme Matuidi, on l'a vu se projeter. Pjanic, dès qu'il a le ballon, Ah, on sait qu'il Pjanic. essaie de Bon, monter tu vas avec parler de pour casser Pjanic. les lignes totalement. Bernardeschi également, il était dans cette idée-là d'aller proposer Dybala, de provoquer. Mais voilà, je les ai quand même sentis sur un fil. Sandro, Cuadrado, souvent pris dans le dos, avec des joueurs de l'Inter beaucoup plus mobiles sur le terrain. Sensi beaucoup plus percutant offensif. L'Inter aurait carrément pu. Avant la mi-temps, t'as aussi eu ce but de Ronaldo juste avant la mi-temps et hors-jeu C'est ça, signalé on sur n'en a pas Dybala. parlé aussi. La Juve n'était pas dans un temps fort, mais c'est la Juve qui est partie marquer ce deuxième but, même s'il a été refusé. Mais l'Inter Le avait but tous de les Dybala, ouais. ingrédients sur les 20-25 dernières minutes de la première mi-temps. L'Inter, pour moi, avait toutes les possibilités, les ingrédients de pouvoir marquer ce deuxième but. Le problème, en tout cas, c'est pour moi, cette défaite, elle est pour compter. Pour Conte, je m'explique pourquoi elle est pour Conte, parce que sur la blessure de Sensi, alors tu mets Vecino, on sait qu'il n'est pas forcément l'un des hommes les plus importants du moment au milieu de terrain du côté de l'Inter. On a vu lorsque Sensi n'est pas là face à la Lazio, ça a été très compliqué. Le problème, c'est le banc et Conte, parce que les choix qui ont été faits, à un moment donné, Lukaku, qui ne réussit pas ses choix dans ce match-là, qui ne fait pas le bon geste, qui n'est pas forcément dans son meilleur match, même s'il pèse, entre guillemets, comme on aime à le dire. Mais lorsque tu ne fais pas les bons choix, lorsque tu n'es pas assez percutant, assez en danger pour la défense adverse,
faut proposer quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, Antonio Conte, pour moi, il a été dans cette idée d'attendre la Juve et de pouvoir peut-être obtenir ce résultat du nul qui l'aurait un petit peu conforté sur sa place de leader. Alors, avant de revenir vraiment sur les possibilités de l'Inter, c'est vrai que, ça fait une belle transition, puisque Alpha parlait des mauvais choix de Conte. En face, il y a eu les bons choix de Sarri. Alors, Higuain, forcément, parce qu'il met le but de la victoire, mais aussi Bettencourt. C'est là aussi que le match s'est joué. C'est dans la possibilité de pouvoir régénérer cet effectif qui avait fait déjà 60 bonnes premières minutes. Après, c'est toujours la même chose. On l'avait dit jeudi avec Stéphane et Inzaghi sur le Rennes-Lazio. Tu n'as pas les mêmes outils en ta possession sur le banc des deux côtés. C'est ce qui me fait un peu plus nuancer. Les deux premiers changements de Conte sont des changements pour blessure, hein, que ce soit pour… Exactement, en termes de qualité, quand sur le banc, tu as Bettencourt et Higuain, pour remplacer Bernardeschi et Khedira, tu perds pas au change, j'ai envie de te dire. En termes de qualité, tu perds pas au change. Par contre, l'Inter, quand tu vois le début de saison de Sensi, celui de Vecino, ou même Politano, quand il rentre à la place de Lautaro Martinez… déjà Politano, je le dis depuis le début de saison, c'est pas son poste, c'est pas un 9,5, c'est un ailier. Et quand tu vois Lautaro Martinez, on s'est posé tous la question pourquoi il sort. C'était le plus dangereux côté Inter. Donc par rapport à ça, oui, Sarri a gagné sa bataille dans la macro tactique, dans sa lecture du match. Bravo à lui, on l'attendait aussi parce que voilà, sur les réseaux, dans l'opinion publique, depuis le début de saison, ce qui s'est passé, le fait que Sarri soit au Napoli avec toutes les frasques et tout ce qu'il a dit sur la Juventus, qu'il soit allé à la Juventus, la même chose pour Conte qui a entraîné, qui a joué à la Juventus et qui a été chez l'ennemi. Il y avait cette confrontation, les deux philosophies de jeu différentes, même si on voit que sur le début de saison, Conte produit un jeu quand même assez attrayant en Serie A et en Ligue des Champions. On l'a vu contre le Barça. Il était attendu au tournant, Sarri, et moi je trouve qu'il a passé le test ce soir. Toi, tu trouves aussi, voilà, il avait besoin de ce. Alors, depuis tout à l'heure, tu charries en disant que c'est. Tu charries ou tu charries tu... c'est bon, ça. Hein. C'est bon, ça. On a des bugs techniques, mais tu as le temps de faire des vannes, c'est toi. Ça, t'inquiète pas. tu charries en disant que c'est la normalité, la Juventus qui finalement prend l'avantage dans ces derbies-là. C'est vrai qu'on est habitué à ça depuis maintenant quelques années. Mais pour Sarri, c'est pas la normalité. Ces matchs-là, il avait plutôt l'habitude de les perdre en Italie. Oui, même s'il avait gagné un match face à la Juve avec un but de Koulibaly et qu'il aurait pu obtenir peut-être le Scudetto cette année-là avec son Napoli avant d'aller à Chelsea. Mais non, c'est, sincèrement, il avait besoin de ce genre de match-là. C'est ce match assez important parce que le Napoli, certes, c'était le début de saison. Il a eu certaines difficultés, il venait d'arriver. Aujourd'hui, ça fait quand même 2-3 mois qu'il est du côté de la Juve. Et l'Inter est tout simplement la force la plus impressionnante en Serie A sur le début de saison et sur la continuité, que ce soit en termes de solidité, je l'ai dit sur la première partie tout à l'heure, que ce soit en termes d'explosivité, que ce soit en termes de surprise, ce que propose cette équipe d'Antonio Conte, même quand il fait les changements. Mardi en Ligue des Champions, c'était Candreva qui combinait parfaitement bien sur son côté. Aujourd'hui, on a vu des difficultés. Alors, moi, je suis d'accord avec Walid sur le fait que les hommes ne sont pas les mêmes du côté de l'Inter, et ça s'est expliqué. On a vu Asamoah avoir beaucoup plus de difficultés. Il est plus en l'aise lorsque c'est les équipes de moins de tableau, de seconde partie de tableau. Aujourd'hui, face à la Juve, il a eu beaucoup plus de difficultés parce que l'adversaire en face était d'un niveau assez conséquent. Donc oui, Sarri avait besoin de ce genre de victoire-là, de ce genre de match référence-là avec la Juve, et surtout avec la manière qui va derrière. Même si j'ai dit tout à l'heure sur les 20-25 minutes, dernière minute de la première mi-temps, c'était plus l'Inter qui était dans cette position de pouvoir marquer et de surprendre la Juve. Mais en deuxième mi-temps, il s'est parfaitement bien repris sur les changements, même si c'est Ramsey, je l'ai vu tout à l'heure en conférence de presse, qui devait être lancé à la place de Bettencourt. Mais qui a ressenti une douleur à l'adducteur. Mais même ça, c'est un changement qui est offensif. Et l'idée qu'il envoie, c'est qu'il n'a pas peur de cette équipe de l'Inter. Il n'a pas voulu jouer contrer. Il n'a pas voulu jouer petit bras pour être dans ce football d'épicier, comme on l'a dit tout à l'heure avec Silvinho. Le message qu'il a envoyé, il est clair, c'est que je veux aller chercher cette victoire-là parce que cette équipe de l'Inter, on peut aller la titiller, on peut aller la chercher. Et il a été récompensé au final avec l'entrée d'Higuain, avec l'entrée de Bettencourt. Il avait la pression, tout le monde voyait l'Inter, comment dire, faire quelque chose ce soir. Enfin, c'est-à-dire, bien sûr, parce que les dynamiques étaient là. Et puis, il y a, je disais tout à l'heure dans l'opinion publique, le fait que s'il y a une année où on peut aller chercher la Juventus, c'est peut-être cette année avec Conte, parce que Conte a gagné sur la première année avec Chelsea, parce que c'est un entraîneur de qualité, parce qu'il connaît aussi la Serie A. Qu'il y a une Juve qui va être forcément en rodage avec l'année 1 du projet Sarri. Il se passait quelque chose, il avait une certaine pression, clairement. Et c'est vrai que quand je parlais de test, ce soir, il y avait tout pour perdre.
Et il ne l'a pas fait avec une vraie ambition dans le jeu. Donc bravo, bravo Maurice, comme j'aime bien le dire. C'est l'ambition dans le jeu. C'est ce qui change avec la Juve d'Allegri, comme tu le disais, même s'il nous avait habitué en début de saison dernière de proposer des choses intéressantes avec ce triangle sur le côté, Cancelo, Ronaldo, tout ce qu'on voyait. Mais oui, ce qui change, c'est vraiment ça. Tu parlais des matchs où l'Inter a été beaucoup plus dominatrice et méritait beaucoup plus sur le résultat. Et une Juve qui a été braquage à l'italienne, te marquait ce but à l'aller au retour l'année dernière. Te marquait ce but à la dernière minute qui te permettait de remporter les gros match, même face au Milan, face au Napoli, face à la Roma, où t'as Chesney qui te fait 2-3 parades, et t'as cette Juve de façon cynique qui parvenait toujours à gagner, en mode Allegri propose pas beaucoup de choses dans les gros matchs, mais moi j'ai vu une différence ce soir. Mais voilà, aujourd'hui on a senti une équipe de la Juve face à une équipe de l'Inter beaucoup plus relevée en termes de niveau, qui a accepté de proposer, qui a dominé les 15-20 premières minutes de la première mi-temps, et qui en deuxième mi-temps était beaucoup plus sereine, même si en deuxième mi-temps, pour entrer plus en profondeur, t'as pas vu Ronaldo énormément, t'as pas vu Dybala de façon assez récurrente, Bernardeschi qui est pas toujours les bons, voilà, meilleurs choix. On a pas vu des individualités qui ont survolé les débats, mais offensivement et collectivement, on a senti qu'il y avait un travail. Par contre, il y a une individualité, il va falloir en parler, mais Pjanic, je sais pas si on aura le temps d'en parler aujourd'hui, parce qu'on doit passer à l'Inter, mais juste un mot. Pjanic, déjà sous Allegri, et là avec Sarri, c'est costaud. Hein. Franchement, ce soir, le match qu'il fait, on parlait souvent Pjanic-Brozovic, moi j'adore Brozovic. Hein. Mais Pjanic ce soir, c'est déjà c'est toujours la justesse technique, les bons choix, et la tranquillité. Il est un peu plus haut. Il a deux ou trois cerveaux, c'est pas possible. Il réfléchit toujours avant d'avoir le ballon, l'angle de passe toujours. C'est fort. J'aimerais qu'on passe à l'Inter, parce que vous en avez déjà pas mal parlé dans la bataille tactique entre Conte et Sarri. Alors, l'Inter qui est encore un peu trop juste, c'est normal aussi que Antonio Conte n'est là que depuis 3 mois et fait déjà de belles prouesses avec cette Inter-là. J'aimerais qu'on voit sa composition aujourd'hui, une composition qui a été amputée notamment de deux joueurs pendant le match, avec la sortie de Stefano Sensi, avec la sortie de Diego Godin notamment. Forcément, ça t'handicap, quand on sait, en plus, ça revient pas mal sur le chat, le fait que la Juve et l'Inter n'ont pas la même profondeur de banc, la même profondeur d'effectif. Forcément, quand deux de tes éléments clés sortent, c'est un peu plus compliqué. Mais même malgré cela, Alpha, on a senti que cette Inter-là n'était pas véritablement encore plus quand un joueur clé depuis le début de la saison, comme Stefano Sensi, sort. Non mais carrément, c'est une composition de toute façon, c'est à l'identité d'Antonio Conte depuis qu'il est venu. Ah bah ça, il y a pas de voilà, tu peux la cocher déjà, voilà, tu regardes pas la compo avant, c'est déjà connu d'entrée, et il y a pas de surprise là-dessus. Les choix des hommes, c'est les meilleurs du moment qu'il a mis sur le terrain, et on a vu. Moi ce que j'ai le plus aimé dans le comportement de cette équipe là, c'est le niveau du caractère, c'est-à-dire que sur les 5, 10, 15 premières minutes, ils se prennent un petit peu en vent du côté de la Juve, aurait pu être assommé, et derrière tu as quand même une équipe qui reste dans son match, qui ne fait pas la victime, qui ne se laisse pas assommer et amadouer par une équipe de la Juve, qui rentre pas dans un faux temps mort installé par la Juve un petit peu. Et derrière, t'as, voilà, moi je l'ai dit, qui pouvait revenir au score, qui avec des meilleurs choix, une meilleure justesse technique de la part de Lukaku, de la part de Lautaro, si ça il la jouait pas un petit peu trop individualiste, un petit peu trop solo, aurait pu aller chercher au-delà de l'égalisation ce deuxième but et voir mettre le coup de KO à la Juve pour ne pas qu'elle revienne en deuxième mi-temps. Maintenant, voilà, c'est la profondeur des bancs, on peut pas tout remettre sur Antonio Conte. Moi je l'ai dit tout à l'heure, si t'as des joueurs comme Asamoah, D'Ambrosio, dans un schéma comme ça, on sait combien de fois les pistons sont très importants dans le jeu. Je veux bien, mais D'Albert, c'est lui qui a demandé à ce qu'il s'en aille. Ça pouvait être une solution, notamment à gauche. Mais Biraghi qui a fait un match plutôt intéressant d'ailleurs face à la Lazio quand il avait mis à la place d'Asamoah. Mais même au milieu de terrain, moi je suis d'accord avec toi sur le départ par exemple d'un joueur comme Nainggolan. Si aujourd'hui au milieu de terrain, tu enlèves Santi, ou s'ils n'ont pas fait Vidal, si tu enlèves Santi aujourd'hui et que tu mets Vecino ou que tu mets Gagliardini, tu sais que c'est pas du même niveau. Tu sais que ça ne peut pas t'apporter. Donc voilà, aujourd'hui, les limites d'Antonio Conte et les limites de l'Inter de Milan, malheureusement, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas trop se voiler la face. Pour aller chercher le titre ou pour aller bousculer un petit peu la Juve, c'est la profondeur de banc. Et au-delà de la profondeur de banc, c'est la qualité qui sort du banc. Parce que quand tu remplaces Vecino par Sensi, sur les deux matchs, c'était criant. Sur la Lazio, quand Sensi n'était pas titulaire, on a vu une équipe de l'Inter, même si intéressante, mais moins à risque offensivement. Dès qu'il est rentré en deuxième mi-temps, on a vu une équipe de l'Inter qui complètement partait, proposait, avait du lien au milieu de terrain. Et aujourd'hui, avant Sensi et après quand Sensi est sorti, on a clairement vu la différence au milieu de terrain, et c'est là que la Juve s'est un petit peu régalée avec Bentancourt qui en deuxième mi-temps avait énormément d'espace pour aller justement se projeter et proposer à la Juve comme ça d'être en supériorité numérique. Donc voilà, ça il peut malheureusement pas trop y faire, et quand on voit ce qu'il fait depuis qu'il est là et depuis le début de saison,
Moi, ce qui me dérange. Moi, j'ai une question, et oui. Ça va aller dans le prolongement de peut-être ce qui te dérange. Quand on compare avec, bon, forcément avec les Juve de Conte à l'époque, avec le Chelsea de Conte à l'époque, qui avait des effectifs peut-être plus fournis que ce que n'a l'Inter actuellement. Qu'est-ce qu'avait la concurrence encore qu'en Première Ligue, ça. On voyait à l'époque une véritable identité de jeu de la part de Conte. Quels que soient les joueurs alignés, on voyait quelque chose qui ressortait constamment. Là, on a l'impression que l'identité est dépendante un petit peu des joueurs qui sont alignés. Est-ce que tu le ressens aussi non, comme ça ? Pas forcément, mais le problème, c'est que moi, je suis perturbé par les performances de Sensi. C'est que je ne m'y attendais pas. Je l'ai suivi un petit peu à Sassuolo, mais le voir à ce niveau sur les 8 premiers matchs et être vraiment dépositaire du jeu. Il était bon. Moi, je me rappelle d'une interview de Boateng qui disait qu'il était un des meilleurs. Vraiment, il était bon, mais de là à pouvoir augmenter son niveau aussi rapidement et voir l'Inter aussi dépendante de ce joueur-là, ça m'impressionne parce que tu l'as dit tout à l'heure, contre la Lazio, il rentre les 30 dernières minutes et tu vois une Inter à deux visages et transformée. Il fait les 60 premières minutes contre le Barça. Le Barça voit pas le jour sur les sorties de balles. Il sort sur les 30 dernières minutes. C'est là où ça commence à être compliqué. Et aujourd'hui, la même chose. Oui, tu étais un peu en difficulté sur les 20 premières minutes, mais les sorties de balles étaient quand même très, très bien maîtrisées. Et Brozovic arrivait à le trouver. Et il y avait cette connexion Brozovic-Sensi, Lukaku pour essayer d'aller chercher un piston de l'autre côté. Et dès qu'il est sorti avec Vecino, c'était plus du tout la même chose. Donc le problème, c'est que je le dis moi depuis le début de saison, oui, ça m'emballe ce que Conte met en place. Mais si tu perds des joueurs cadres, si tu perds des joueurs importants, clé, tu peux pas les remplacer parce que t'as pas le même profil. Les deux postes clés pour moi, c'est Sensi et c'est Lautaro Martinez. Pour moi, dans l'effectif, ces deux joueurs, ils sont irremplaçables en termes de profil. Je dis pas en termes de joueurs numériquement. Tu as des joueurs, tu en as même deux ou trois, mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui. Il y a des joueurs à ces postes-là, mais qui ont pas ce profil. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, Alexis Sanchez. Aujourd'hui, hein, je dis bien, on est en fin 2019, soit capable de faire l'abattage physique que fait un Lautaro Martinez ou dans les prises de balles de pouvoir déposer son adversaire pour être le parfait compagnon de Lukaku. La même, Politano, je t'en parle même pas. Pour moi, Politano, c'est pas un 9,5, c'est un ailier qui rentre sur son faux pied pour enrouler. C'est ça, on sait que c'est un joueur quand même qui est pas mal stéréotypé. À chaque fois qu'il rentre au poste de numéro de 9,5, c'est pas convaincant. Et la même chose pour Sensi. Vecino en début de saison, Gagliardini quand il est rentré contre le Barça ou même contre la Lazio, c'est pas bon. Donc clairement, ces deux postes-là, ça va être très très dur pour aller chercher un titre. Si ces mecs-là ne sont pas là, je suis pas sûr que t'aies le même rendu. Maintenant, si tu veux vraiment parler d'identité de jeu, moi ce soir, j'ai l'impression que Conte est quand même revenu sur ses mauvais travers, les travers que j'aime pas de Conte. Parce que sur le début de saison, c'était très très alléchant. Sincèrement, les 60 premières minutes contre le Barça, oui, il y a un bloc bas parce que tu joues le Barça, mais avec ballon, c'est un délice ce qu'il réussit à faire. Les sorties de balle, jouer avec les latéraux les pistons très très haut, essayer de trouver Lautaro Martinez et Alexis Sanchez, c'était vraiment 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 très très convaincant. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé le bloc très très bas, à haut, dans très très peu de moments, j'ai vu le bloc médium pour aller chercher un peu plus haut la Juve. Alors ils ont eu des spots hein, pour essayer de d'égaliser même à deux partout sur coup de pied arrêté ou même de prendre l'avantage à un partout, mais c'était plus encore une fois sur des situations de contre où tu pars très très loin. Alors que Conte d'habitude, voilà, ça peut être un bloc bas pendant 10 minutes, mais essayer d'être flexible tactiquement dans ses idées. Et ce soir, comme le disait Alpha tout à l'heure, j'ai vraiment eu le sentiment qu'il s'est dit, alors je peux peut-être me tromper, hein, mais qu'il s'est dit, de toute façon moi contre les petits, cette année, je vais tous les assassiner. Mais ce soir, il faut que je fasse un nul contre la Juventus pour garder ma première place. Ouais, pour rester sur sa dynamique. Voilà, exactement. Et en gros, je ferai le boulot. Il faut juste que dans les confrontations directes, je perds pas trop de points. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et ce soir, t'es puni. Non, t'es puni parce que les changements, bon, ils sont contraints, mais c'est pas les changements. C'est surtout dans... T'es très bas ce soir. T'es très très, même en deuxième mi-temps. Après le dernier changement qu'il est véritablement choisi, c'est la sortie de Lautaro Martinez pour Politano. On n'en a pas parlé, Lautaro qui était le plus dangereux. Oui, qui était le plus dangereux, même s'il n'a pas fait aussi de très bons choix. Un petit peu à l'image de Lukaku, je pense qu'aujourd'hui, offensivement, sincèrement. Il a tenté, lui par contre. Ils ont tous tenté, je pense, mais malheureusement, les choix et la réflexion n'étaient pas là. Et c'était pas exactement. Il était un peu au-dessus de Lukaku quand même, Alpha. Oui, forcément, c'est un joueur de poche, c'est un joueur un petit peu plus.
plus fin, plus élégant, bah forcément, il sera toujours plus au-dessus sur ce registre-là. Mais on l'attend aussi pour faire ses bons choix. C'est vrai qu'il a un choix, un peu contraint, il doit la donner. Il doit la donner facilement, il doit la donner 10 fois. Moi, je pense qu'il est un petit peu trahi par ses individualités aujourd'hui. Je pense notamment à Samoa. Godin qui sort sur blessure, ça n'aide pas forcément la solidité de sa défense. Skriniar qui, depuis le début de saison, on n'en parle pas beaucoup parce que ça a toujours été Skriniar depuis qu'il est à l'Inter. Il a été très performant. Mais Skriniar, c'est pas son pire match par rapport au début de saison. Pas du tout, mais face à la Lazio, ça a été un bon match aussi. Mais Skriniar, depuis le début de saison, c'est un petit peu. Il a du mal. Il alterne bon et pas bon, forcément. Mais il est un petit peu sauvé par. Voilà, c'est un nouveau poste. Il est un petit peu sauvé par Godin et De Vrij, qui sont plutôt les vrais tauliers de cette défense. C'est l'avantage, c'est que quand tu as 3 défenseurs de top niveau, tu connais un qui est moins bon. T'en as un qui peut compenser carrément depuis le début de saison, c'est ce qui se fait. Mais voilà, moi je pense que c'est plutôt sur les individualités et sur ses hommes dont il a été un petit peu trahi. Je ne l'ai pas trouvé forcément très bas parce que tactiquement ça a été très intelligent de sa part. En ayant pris l'eau pendant les 5, 10, 15 premières minutes par cette équipe de la Juve, ça a été un petit peu bien réfléchi de pouvoir bloquer les espaces. Il a été beaucoup plus attentif que face au Barça, par exemple. Mais carrément, aujourd'hui le Barça, je pense que quand tu les joues, tu es moins attentif parce que tu sais qu'au milieu de terrain ils ont plus de difficultés. Avec les joueurs que tu as au milieu de terrain, tu peux leur poser plus de problèmes. Avec la Juve en Serie A, le contexte qu'il fait, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, dans le jeu, je les ai trouvés beaucoup plus intéressants quand ils ont essayé de revenir au score. Et au milieu de terrain, je les ai trouvés meilleurs sur la Juve, par exemple, sur les 20, 25 dernières minutes de la première mi-temps. Et je les ai trouvés beaucoup plus convaincants. Même sans Sensi, tu les as trouvés. Moi, c'est plutôt contraire, moi. Sur la fin de la mi-temps, moi, je les ai trouvés, sincèrement, sur la fin de la première mi-temps, je les ai trouvés beaucoup plus intéressants que la Juve. Et le deuxième but était beaucoup plus proche côté Inter que côté Juve, qui n'arrivait plus à avoir de ces ballons offensifs. Cuadrado, qui avait énormément de mal à dépasser la ligne médiane. De l'autre côté, tu avais Khedira également qui n'arrivait plus à gagner un duel au milieu de terrain. Tu avais une équipe de l'Inter vraiment qui ressortait comme un petit peu dans le précepte Conte, dans la philosophie Conte. Moi, pour moi, encore une fois, voilà, c'est ce qui a fait qu'il avait quitté la Juve à un moment donné. C'est qu'il demandait à ce qu'on lui apportait certains joueurs, une profondeur de banc, une qualité de banc. Je pense que s'il est venu à l'Inter, il a eu ces garanties-là. Il faut voir le mercato d'hiver parce que pour moi, l'Inter, au milieu de terrain, il faut forcément recruter. Tu ne peux pas aller chercher quelque chose, comme tu le dis, on se rappelle de sa première année à la Juve. C'était Vidal, Marquisio, Pirlo, je pense, au milieu de terrain. Et il avait en tout cas des changements qui étaient beaucoup plus intéressants. Pogba qui arrivait déjà, qui était sur le banc, Pogba qui vient et t'as cette qualité-là qu'il peut te sortir du banc pour apporter de la qualité. Maintenant, du côté de l'Inter, il faudra vraiment faire des choix et apporter des solutions. Lukaku, je pense, c'est là que tu allais en venir. Parce que oui, le seul changement non forcé, c'est la rentrée de Politano à la place de Lautaro Martinez par rapport à Romelu Lukaku. Romelu Lukaku qui joue 90 minutes aujourd'hui. Je crois qu'on a sa fiche dans ce match aujourd'hui face à la Juve. Zéro passe clé. Pourquoi on a mis cette stat de zéro passe clé? Parce qu'il y a eu énormément de situations, notamment en première mi-temps. Je crois qu'il y en a une aussi en seconde période. Il y en a plusieurs, où il y a des contres qui sont menées, où Lukaku se retrouve avec une, deux, plusieurs solutions et joue mal le coup. Plus que le fait qu'il est tiré qu'une seule fois et qu'il n'ait pas cadré son tir, bah les coups offensifs, le peu de coups de l'Inter, il n'était pas. Ce soir, il a une grosse responsabilité dans l'animation offensive de l'Inter et il n'a pas su être le facteur X pour aller chercher un gros résultat. Clairement, alors j'adore son abattage physique, moi je le défends souvent parce que je trouve qu'il a énormément progressé sans ballon et même avec ballon, sous Mourinho, la première saison, il termine à 7 passes décisives, il peut faire briller les autres. Maintenant aujourd'hui, on a eu la mauvaise version de Lukaku, voire la très très mauvaise, parce que sincèrement, on parlait de Werner qui avait du sang sur les mains contre Lyon. Là, ce soir, il y a des 2 contre 1, des 3 contre 2. En fait, c'est même plus, à la différence de Werner, c'est pas dans les occasions ratées, c'est dans ce qui aurait pu être des occasions. C'est souvent, tête dans le guidon, il regarde pas, il prend pas l'information. Et ce soir, même dans le déchet technique, dans la passe, il a manqué de justesse, il a manqué de lucidité. Alors, il faut rappeler qu'il revient de blessure, qu'il a eu une petite gêne. Et c'est là où j'en veux un peu à compter, c'est qu'il fait 90 minutes ce soir. Alors que t'as des mecs sur le banc, t'as Sanchez, Sanchez était suspendu, donc t'as Politano, tu peux faire monter d'un cran Lautaro Martinez et malgré ça, sincèrement ce soir c'est très 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 décevant. Je suis très très déçu de son match parce que autant contre le Milan AC il avait été très bon, notamment il a été buteur et l'équipe avait profité de son abattage physique. Ce soir, tu parlais d'Asamoah tout à l'heure, on parle souvent de Lukaku dans les gros matchs.
dans les très très gros matchs. Et ce soir, ça plaide encore. Moi, j'aime pas cette thèse-là parce que je pense que les joueurs peuvent progresser et peuvent, encore une fois, c'est pas parce qu'ils ont raté 6 gros matchs que le 7e, ils vont pas, comment dire, profiter des spots. Mais là, ce soir, c'est très très dur de défendre la pression de Lukaku, même si il revient de blessure et que voilà, il est là depuis 9-10 matchs. T'es obligé de nuancer par rapport à ça, mais si on doit analyser son match, c'est trop trop insuffisant. Il y a le Ouattard, Laura, qui n'est pas là que pour les quiz, hein, qui est là aussi pour les débriefs, qui nous dit Lukaku, dès qu'il enchaîne pas les matchs, on dirait qu'il oublie tout le manuel d'un attaquant. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il a plus tendance à perdre ses repères quand il n'est pas en forme. J'espère physique. Qu'il va jouer avec la Belgique contre la trêve internationale, là, parce que sinon il va revenir au bout de 15 jours. Lukaku, il a eu une intégration plutôt réussie. Hein, à l'Inter, il a été performant depuis le début de la saison. On n'a toujours pas la meilleure version. On n'en a pas encore peut-être la meilleure la version, mais c'est parce que c'est encore le début de saison, c'est encore en rodage, donc il y a des explications, il y a un nouveau championnat à découvrir. Quand on voit la partition qu'ont fait Alexis Sanchez et Lautaro Martinez ensemble sur la pelouse de Barcelone, qui était une partition plutôt réussie malgré la défaite, est-ce qu'on peut se dire que les cartes peuvent être redistribuées quand Alexis Sanchez ne sera plus suspendu et jouera et sera en capacité d'être aligné dans le 11? Ouais, de toute façon, le problème de Lukaku, c'est qu'il y aura toujours un jugement très sévère sur ce joueur-là parce qu'il a un profil qui peut ne pas plaire de par son abattage physique, de par ce qu'il dégage. Il a une autre façon de concevoir le football et de dicter le football et de réaliser son football. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, moi j'ai entendu beaucoup de comparaisons, notamment avec Icardi tout ce qu'on peut dire. Moi je pense que c'est un joueur qui va être très utile à l'Inter cette saison, qui va vraiment aider l'Inter à accrocher une place, soit de deuxième place, soit à aller vraiment titiller la Juve jusqu'au bout dans ce championnat-là. Maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est là où je l'ai dit tout à l'heure sur la première partie du débrief, c'est-à-dire que pour moi, ça fait partir des erreurs d'Antonio Conte pendant le match sur ses changements. C'est-à-dire que tu as vu que c'est pas forcément son match, il a trop essayé de partir dans les duels avec Bonucci ou De Ligt. Alors sur la fin de première mi-temps ou sur certaines accélérations, il a réussi à mettre à mal De Ligt ou Bonucci sur ses prises de balles ou même l'action où Bonucci essaie de passer devant lui pour le mettre à terre dans la surface, mais il était un petit peu trop dans le duel, il a pas réfléchi, j'ai l'impression qu'il s'est laissé trop aspirer dans cette bataille physique, mais pas dans le combat cérébral. Voilà, dans cette bataille physique, on sait que c'est un petit peu le vice de la Juve de te faire entrer dans, de te faire sortir de ton match et de t'amener faire sortir sur un de terrain, ton foot voilà, en fait, de te faire sortir de ton véritable football, de t'amener dans un terrain où eux peuvent le plus le maîtriser. Et je pense qu'aujourd'hui c'est ce qu'il a fait sur une action, il a totalement son coéquipier sur le côté droit sur 5, 10, 15 mètres. Au lieu de lever la tête et de le servir, il a préféré foncer tête basse sur Bonucci pour essayer de le dribbler, de le déstabiliser, gagner ce duel là pour ensuite aller affronter Chesney derrière. Sauf que voilà, d'habitude sur les autres matchs contre la Lazio ou contre le Milan AC, il le fait pas forcément. C'est un joueur qui joue toujours en première intention. Il jouait beaucoup sur les relais, il permettait à ses ailiers de pouvoir monter. Alors, est-ce qu'il a été aidé aussi par le fait que les pistons, que ça soit d'Ambrosio ou Asamoah, ne soient pas beaucoup montés? Offensivement, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Offensivement, il a pas. Je pense qu'aujourd'hui sur ce match aussi, offensivement, il a pas eu beaucoup de solutions offensives où t'as pas d'Ambrosio ou Asamoah qui sont vraiment montés sur le match face à la Lazio. T'as ce centre de Biraghi pour la tête pour le but interiste sur le côté gauche. Sur la tête d'Ambrosio de l'autre côté, t'as cette position là sur les ailiers qui montent comme ça parce que lui il a besoin de ça, il a besoin de jouer, de venir chercher le ballon pour te proposer des décalages comme ça pour aller jouer sur les côtés. Aujourd'hui c'était très pauvre du côté de l'Inter, notamment en deuxième mi-temps, donc il n'a pas eu cette solution. Après, ce choix là à pour, faire pour te répondre à ta question, moi je pense que Conte sur la doublette, ouais, non, il sera titulaire quoi qu'il arrive. Son profil, c'est qu'il voulait, hein, faut rappeler que Conte la deuxième saison à Chelsea, il le veut à Chelsea, oui. On lui ramène Morata. Mais son premier choix, c'est Lukaku. Le premier choix, dès qu'il arrive à l'Inter, il a demandé Lukaku. C'est un joueur qu'il adore et c'est un profil qu'il adore. Donc, quoi qu'il arrive, il peut rater des matchs. Je pense que son profil est unique dans l'effectif de l'Inter et il ne s'en passera pas. Moi, ça me rappelle un peu Pelé avec l'Italie. Gardien de Pelé. Ce qu'il a eu. Il a besoin de ces joueurs besogneux comme ça qui vont libérer les espaces parce que le rôle des pistons est super important dans le football d'Antonio Conte. Et quand tu as un attaquant. Il avait qui à la Juve avec voilà. C'était Vucinic, non? Vucinic, c'était plus avant. Ouais, il avait eu Llorente qui est venu après. Il a eu Tevez. Il a eu des. Et donc avec Tevez, le deuxième numéro 9 dans le 3-5-2, c'était Llorente. Morata quand il est venu, qui jouait exactement. Voilà, il a besoin de. Alessandro Matri qui était là. Alessandro Matri, oui.
dans les années sombres un petit peu de la Juve, quand on avait Zaccheroni et tout. Mais voilà, il a toujours besoin de cet attaquant de pivot comme ça qui peut écarter, jouer sur les côtés et permettre justement que ce soit Sensi ou Barella de se projeter. On l'a vu face à la Lazio, Sensi qui a cette occasion justement de pouvoir faire le break et malheureusement qui ne le fait pas. Il a besoin comme ça d'avoir un attaquant comme ça sur qui se reposer, pouvoir faire jouer ses relayeurs et ses ailiers. Face à la Juve aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, la pauvreté du milieu de terrain depuis la blessure de Sensi et le fait qu'Asamoah et D'Ambrosio ne soient pas montés ne l'ont pas forcément aidé. Quand tu dis à Lukaku, tiens le ballon, essaie de faire le choix tout seul ou essaie de proposer la meilleure des solutions à tes coéquipiers, ça va être beaucoup plus compliqué. Face au Milan, ça a été un petit peu son registre parce que les joueurs étaient très offensifs et il y avait beaucoup plus de choix offensifs. Il a eu beaucoup plus de facilité à pouvoir faire jouer tout son bloc et à faire monter ses coéquipiers. Sur le chat, ils sont aussi, aussi d'accord avec ça. Il y a Cesco qui nous dit oui, Sanchez et Politano, ils seront les jokers de Lautaro Lukaku. Alors peut-être l'un à la place de l'autre, c'est dommage parce que peut-être que Sanchez et Lukaku peuvent être. Voilà, en 3-4-3, toi, s'il met que deux milieux à plat avec Brozovic, Sensi et puis et avec trois attaquants avec Alexis, Lautaro Martinez et Romelu Lukaku. On va voir les résultats complets de cette journée de Serie A, les résultats de ce dimanche notamment. Alors hier, on a eu la victoire magnifique de la Spal 1-0 contre Parme. T'as vu le match, Walid, hein, c'était beau, non? Non, j'ai pas vu. On avait vu le Milan qui s'est imposé sur la pelouse du Genoa. Ça, je l'ai vu. Aujourd'hui, match nul entre la Roma et Cagliari avec un but refusé de Nico Kalinic à la dernière minute pour la Roma. J'ai reçu l'alerte, j'ai pas vu le match, mais j'ai reçu l'alerte. Moi, je me suis dit, ceux qui ont joué la Roma, waouh. But à la 90e. Et en fait, non, pas du tout. En fait, non. Et on va revoir. Il y a eu aussi le match nul du Napoli. Ah, ouais, 0-0. Ça, par contre, j'ai vu ce match. Ouais. Sur, le Napoli, ça commence à être. Oh. Sur la pelouse du Torino. Brescia-Sassuolo, ça se jouera un peu plus tard. La semaine du Napoli entre Genk et Torino, là, à l'extérieur, c'est un peu compliqué. C'est très, très pauvre. On va voir le classement de cette Serie A pour voir que la Juve, ça y est, repasse devant l'Inter, la Juve qui est la dernière équipe invaincue en Serie A. L'Inter est donc deuxième à un petit point. L'Atalanta suit à la troisième place devant le Napoli et la Roma. Globalement, les gros sont là, hein, à part le Milan qui est 13e. Et puis la zone rouge, Lecce barragiste. Et la Samp de rien, 20e. Le Genoa et la Samp, les deux équipes de Gênes, qui sont les deux derniers de Serie A. On a réussi à faire une émission. Non, arrête, calme-toi. Non. On a réussi. Non, non. On a réussi à finir l'émission. juste avant de finir, pour vous dire que ça y est, on a arrêté pour faire le tirage au sort pour le FIFA 20. Bon, je l'ai gagné. Le FIFA 20, il était sur le compte Twitter. Donc on a arrêté les votes maintenant. On va faire le tirage au sort dans la nuit, et on vous donne le résultat sur Twitter demain matin pour savoir qui gagne le FIFA 20. On va pouvoir enfin mettre un petit CD là-dedans et pouvoir l'envoyer aux gens. C'est ça. Tu t'en occuperas. Oui, bien sûr. Donc le gagnant, on le met sur Twitter. Nous a donné son pseudo Winamax, on le mettra demain dans la journée. Tu me diras qui c'est, comme ça je mettrai mon ID aussi de ma PlayStation, comme ça je lui mettrai sa petite fessée. Et lui, on le mettra dans la jaquette, voilà. Si tu veux. J'ai absolument pas la Play. Hein. On verra, ça se trouve c'est sur Xbox One, donc ça, on verra en fonction du gagnant. Je vous rappelle la question du soir, les socios, je vous rappelle la question du soir, elle concerne l'Olympique Lyonnais. Alors c'est dans l'autre vidéo, c'est dans l'autre vidéo. Pourquoi Sylvinho se prive-t-il de Moussa Dembélé? Vous pouvez nous donner votre avis sur le chat de l'autre vidéo, dans les commentaires de l'autre vidéo qui est consacrée plutôt à Lyon. Là encore, on aimerait s'excuser parce qu'on a des petits bugs techniques. On rigole, mais on est un peu effondré, on n'en peut plus, quoi, voilà. L'important, c'est que ça devrait aller en s'améliorant, normalement, puisqu'on a identifié les problèmes. Il y a encore 3 jours, on vous disait il y a des bugs, on ne savait pas trop d'où ça venait. Ouais. Là, ça y est, les équipes du Club des 5 ont... Je suis venu, j'ai été voir les machines, j'ai été regarder, c'est bon, Les équipes du Club des 5 ont identifié d'où ça venait, d'où étaient les problèmes, donc maintenant, il ne reste plus qu'à les régler. On sait comment les régler, ça prend un peu de temps, mais ça sera réglé normalement dans les prochains jours. Soyez normalement, déjà, les amis. Les bugs de son, normalement, sont réglés. C'était un truc qui était depuis le début de la saison. Bon, maintenant on a encore une petite
petite caméra qui de temps en temps est un peu capricieuse. Et puis il faut savoir, du coup on va changer ce qu'il faut. Faut savoir qu'on a récupéré des nouveaux locaux, faut que les machines aussi s'en prennent des nouveaux locaux, c'est compliqué. C'est vraiment chiant pour nous, c'est nous les premiers déçus. Hier on était vraiment vraiment déçus, je le répète, mais bon, le club des 5 c'est ça aussi. C'est très bon et faut prendre tous les faut prendre les avantages et les inconvénients. Exactement. C'est ça. J'aimerais remercier l'équipe du soir, donc merci Alpha, merci Walid. C'est vrai que c'était sain comme débat, j'adore ça. Comme à la bonne époque. Moi j'adore quand vous débattez comme ça et que vous êtes d'accord l'un l'autre, que vous complétez, c'est magnifique, je trouve génial. Ah, t'aimes pas quand il y a du fight? Si, quand c'est productif. Mais bon, quand vous faites des trucs comme vous m'avez fait pendant le match là, mieux vaut le faire pendant le match. Sur le débat, Dybala et Higuain. Non, toujours professionnel ici. Merci à Antoine Le Breton à la rédaction en chef de cette émission. Merci à l'équipe éditoriale autour donc de Arthur Veil, de Victor Théron, de Samuel Zaguri et de Sébastien Ferreira. Merci à Vincent Fournier, à la technique et à la Real, parce que comme vous le voyez, nous, sans la technique et la Real, on ne peut rien, et ça, il n'y a rien de plus vrai que ça en ce moment. Les socios, n'hésitez pas à liker la vidéo, celle-là, elle va avoir besoin, puisque vous étiez un peu moins que sur la première, donc n'hésitez pas à nous balancer des petits likes, c'est important pour que ceux qui sont là en replay voient bien qu'il y a une différence entre la première sur Lyon-Saint-Etienne, la deuxième sur Juve-Inter. Vite, elle va nous lâcher. Vite. Et puis sinon, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Passez une très très belle soirée, une très bonne nuit, et puis on se donne rendez-vous demain dans le Club des 5. Ciao tout le monde. Ciao.